Annenberg Media. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Robert and Mireille are having an aperitif and discussing their high school days. After years of hard study in high school, Mireille is delighted to be at the university. She is especially enthusiastic about one of her art history teachers. Robert is not amused. Paris, le quartier latin. Le quartier des écoles, des facultés, le quartier des études et des étudiants. Lui, il s'appelle Robert. Elle, elle s'appelle Mireille. Ils sont étudiants ? Ah, oui, sûrement. Regardez, ils discutent. Les étudiants étudient, manifestent, et le reste du temps, ils discutent. Robert a invité Mireille à prendre quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. À la closerie des Lilas. Ils ont traversé le jardin du Luxembourg, sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie, où Mireille suit un cours. Salle à droite, c'est l'Institut d'art et d'archéologie. J'y suis un cours d'art grec. Et se sont assis à la terrasse de la closerie des Lilas. Il était 11h15 à l'horloge de l'observatoire et 5h15 à la montre de Robert. Quelle heure est-il ? 11h15. J'avais encore l'heure de New York. Pourquoi vous avez voulu venir ici ? Vous savez, je connais pas beaucoup de cafés à Paris. Je connaissais celui-ci à cause d'Hemingway, de Scott Fitzgerald, de Gertrude Stein. Vous ne venez jamais ici ? Non, c'est la première fois. Ça ne vous plaît pas ? Oh, si, si. Mais c'est un peu trop chic et trop cher pour une pauvre petite étudiante comme moi. Quand je veux boire un café avec mes copains, je vais plutôt dans un petit bistrot du quartier. Qu'est-ce que je vous sers ? Voyons. Hemingway prenait sans doute un whisky, mais ce n'est pas particulièrement français. Qu'est-ce qu'il y a comme apéritif bien français ? Vous avez le Dubonnet. Le Martini. C'est italien, ça, non ? L'ambassadeur, le Pernod, le Ricard. Le Pernod, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. La Suze, le Pinot des Charentes, le Saint-Raphaël, le Beer, le Kir. Oh, c'est ça, je vais prendre un Kir. Et pour monsieur ? La même chose. Alors, vous faites de l'histoire de l'art ? Oui, j'ai toujours aimé le dessin et la peinture. Déjà toute petite à l'école maternelle, je plongeais les doigts avec délice dans les pots de couleurs. Et je barbouillais d'admirables tableaux abstraits. J'étais imbattable. C'était moi la championne de la classe. Et j'ai gardé le titre jusqu'à la fin de l'école maternelle. Plus tard à l'école primaire, l'institutrice nous a montré des reproductions de peintures murales de Matisse. Transportée d'admiration, le soir même, j'ai entrepris de couvrir de fresques les murs et le plafond de ma chambre. Mes parents n'ont pas apprécié. En France, les grands artistes sont toujours incompris. Les peintures de Matisse, ça devait être une école d'avant-garde. Une école d'avant-garde ? Pourquoi ? Vous savez, Matisse était considéré comme un peintre d'avant-garde vers 1910. C'était une école privée ? Non, l'école du quartier. Une école publique. Ça devait être une bonne école. Bof, comme toutes les autres. Vous savez, en France, toutes les écoles sont à peu près pareilles. D'une façon générale, c'est l'État qui finance et qui contrôle l'éducation nationale. Et le système est le même dans toute la France. Alors plus tard, au lycée, vous avez continué à faire de l'art et à étudier l'histoire de l'art. Mais non, pensez-vous. Il y a tellement d'autres matières à étudier. Rien qu'en histoire, par exemple, on étudie l'histoire ancienne, l'histoire de France, le Moyen-Âge, les temps modernes,
l'époque contemporaine, l'histoire des pays étrangers, on n'en finit pas. Sans compter la géographie, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'histoire de l'art. Moi, j'ai suivi un cours d'histoire européenne quand j'étais à l'école secondaire aux États-Unis. Je n'ai pas beaucoup aimé ça. Trop de rois, trop de guerres. Mais vous êtes obligé de faire de l'histoire. Bien sûr. L'histoire est obligatoire. Comme presque toutes les matières, d'ailleurs. Vous savez, jusqu'en première, on n'a pas beaucoup de choix. Quel cours avez-vous suivi? Eh bien, moi, j'ai fait A en première, c'est-à-dire la section lettres. J'ai fait du latin, mais pas de grec. Et puis, j'ai suivi les cours communs à toutes les sections. J'ai fait du français, naturellement. Des maths, malheureusement, parce que j'ai toujours été nulle en maths. J'ai failli rater mon bac à cause des maths. Et puis j'ai fait des sciences nattes. Je veux dire des sciences naturelles. De la zoologie, de la géologie, de la physiologie, de la botanique. Ça, ça m'a beaucoup plu, la botanique, à cause des fleurs. J'adore les fleurs. J'étais très bonne en botanique. Et puis j'ai fait de la chimie, de la physique, quoi encore. De la philo, en terminale. La dernière classe du lycée avant le bac. Et puis j'ai fait des langues, allemand et anglais. Ah, vous savez l'anglais? Oui, un peu. Mais ce n'est pas au lycée que je l'ai appris. J'ai passé 3 étés en Angleterre. Au lycée, on enseigne plutôt mal les langues étrangères. Et puis, vous pensez bien qu'avec toutes les matières au programme, on ne sait jamais rien à fond. Même si on n'apprend rien à fond, tout ça donne l'impression d'un travail énorme. Oh, ça oui, il y a du travail. Le pire, c'est le travail à la maison, les devoirs à faire, les leçons à apprendre, les interrogations écrites à préparer, sans compter l'obsession du baccalauréat à la fin des études. En somme, vous devez être bien contente d'en avoir fini avec le lycée. Oh, ça oui, vous pouvez le dire. Maintenant, à la fac, je me sens beaucoup plus libre. Tous les cours que je suis me plaisent, surtout les cours d'art grec. Le prof est un amour, il est beau comme un dieu, et tellement spirituel, c'est un régal de l'écouter. Bon, alors attention. Aujourd'hui, on va parler des écoles. Allons-y. La dernière fois, Robert et Mireille étaient au Luxembourg. Robert a invité Mireille à prendre quelque chose à la closerie des Lilas. Ils se sont levés, ils ont traversé le jardin, ils sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie, ils sont arrivés à la closerie et ils se sont assis. Mireille s'est assise, puis Robert s'est assis. C'est le passé. Ça s'est passé la dernière fois. Ce sont des verbes au passé. Il a invité, ils ont traversé, ils sont passés, ils sont arrivés, ils se sont assis. Remarquez que ces verbes sont composés de 2 parties. C'est pour ça qu'on appelle ce temps du passé le passé composé. Le passé composé est composé d'une forme du verbe, le participe passé, invité, traversé, passé, arrivé, et d'un auxiliaire, a. On, c'est le verbe avoir. C'est le présent du verbe avoir. Et son, c'est le verbe être, le présent du verbe être. En résumé, le passé composé est composé d'un auxiliaire, avoir ou être, et du participe passé du verbe. Donc, maintenant, nous avons 2 passés, l'imparfait et le passé composé. Par exemple, si je dis « La dernière fois, Robert et Mireille étaient au Luxembourg, ils parlaient assis sur un banc, ils étaient assis, ils parlaient », ça, c'est l'imparfait. Mais si je dis « Robert a invité Mireille », ils se sont levés, ils ont traversé le jardin, ils sont arrivés à la closerie, ils se sont assis, a invité, se sont levés, ont traversé, sont arrivés, se sont assis. Ça, c'est le passé composé. Quand Robert et Mireille se sont assis à la terrasse de la closerie, il était 11h15 à l'horloge de l'observatoire. Et 5h15, 5h15... à la montre de Robert. Ça, c'est une horloge. Et ça, c'est une montre.
Et ça, c'est une horloge. Une montre, une horloge. Voyons, quelle heure est-il? Ici, il est 4h15, 4h et quart. Ici, il est 3h20. Ici, il est 10h30, 10h30. Et ici, quelle heure est-il? Il est 3h45 ou 4h moins le quart. Ici, il est 8h moins 20 ou 7h40. Et ici, il est 9h moins 5 ou 8h55. Et ici, il est 4h10, enfin pas exactement, il est à peu près 4h10. Et ici, il est 15h46, 3h46 de l'après-midi. Quand on veut être précis, on ne dit pas à peu près 4h moins le quart, on dit 15h46. Les horaires de train, les horaires d'avion, par exemple, utilisent ce système de 24 heures. Tenez, regardez, quelle est l'heure de ce train? 17h51. Regardez, quelle est l'heure de ce train? 17h49. Et cet autobus, il part à 14h10 et il arrive à 14h43. Quand Robert et Mireille sont arrivés à la closerie, il était vers 11h15 à l'horloge de l'observatoire et 5h15 à la montre de Robert. Quand on vient des États-Unis, il faut avancer sa montre de 6 heures à cause du décalage horaire. L'observatoire de Paris est tout près de la closerie des Lilas. Robert a choisi la closerie parce que c'est un café assez célèbre, un café littéraire où venaient beaucoup de poètes, d'écrivains, Hemingway, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein et beaucoup d'autres. Est-ce que Mireille vient souvent à la closerie? Non, c'est la première fois. Ce n'est pas un café pour les étudiants, c'est un peu trop chic et trop cher. Mais c'est un peu trop chic et trop cher pour une pauvre petite étudiante comme moi. C'est chic, c'est élégant. Regardez ça. C'est chic? Oui. C'est assez chic. Et ça? Ça aussi, c'est chic. Et ça, c'est un café chic? Oui, c'est chic. C'est chic et c'est cher. En général, les endroits chics sont chers. Quand Mireille veut prendre un café, elle ne va pas dans un grand café chic et cher. Elle va plutôt dans un petit bistrot. C'est peut-être moins chic, mais c'est aussi moins cher. Ça, c'est un grand café. Ça, c'est un petit bistrot. Mireille ne veut pas commander de whisky parce que ce n'est pas français. Elle cherche un apéritif bien français. Qu'est-ce que vous avez comme apéritif bien français? Il y a beaucoup d'apéritifs. Il y a le Dubonnet, le Martini, le Pastis, la Suze, le Ricard, le Muscat, beaucoup d'autres. Finalement, elle choisit un kir. Voilà, je vais prendre un kir. C'est un peu de crème de cassis avec du vin blanc. Robert ne connaît pas tous ces apéritifs. Il ne sait pas que prendre. Alors, il prend la même chose. Bon, monsieur. La même chose. Écoutez bien. Et puis, vous allez jouer le rôle de Mireille. Vous avez le Dubonnet, le Martini. C'est italien, ça, non? L'ambassadeur, le Pernod, le Ricard. Ah, le Pernod, j'adore. Mais c'est un peu trop fort. La Suze, le Pinot des Charentes. Le Saint-Raphaël, le Bir, le Kir. Voilà, je vais prendre un Kir. À vous. Vous êtes Mireille. Vous avez le Dubonnet. Le Martini. C'est italien, ça, non? C'est italien, ça, non? C'est italien, ça, non? L'ambassadeur, le Pernod, le Ricard. Le Pernod, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. Le Pernod, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. Le Pernod, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. La Suze, le Pinot des Charentes. Le Saint-Raphaël, le Bir, le Kir. Oh, c'est ça, je prendrai un Kir. Oh, c'est ça, je prendrai un Kir. Oh, c'est ça, je prendrai un Kir. Robert reprend la conversation. Alors, vous faites de l'histoire de l'art. Mireille aime le dessin et la peinture. Voilà un dessin. Ah, et vous, mon dessin, hein? Voilà quelqu'un qui fait de la peinture. Voilà une peinture. Elle est peintre. Elle fait de la peinture. Lui aussi, il fait de la peinture.
Déjà, quand elle était petite, Mireille aimait la peinture. Elle plongeait les doigts dans les pots de peinture et elle barbouillait d'admirables tableaux abstraits. Regardez Marie-Laure ici. Elle est toute barbouillée de chocolat. Mais regarde, tu es toute barbouillée. Elle est toute barbouillée de confiture. Mireille était très forte en dessin et en peinture. C'était elle la championne de la classe. Un champion, une championne. Elle était imbattable. Regardez Marie-Laure ici. Elle est très forte en arithmétique. Elle est imbattable. 9 fois 6. 54. 7 fois 7. 49. 9 fois 9. 81. Tu es imbattable? Ouais, je suis championne. Elle est très forte. Elle est imbattable. Quand elle était toute petite, quand elle avait 5 ans, Mireille est allée à l'école maternelle. Puis, elle est allée à l'école primaire. Après l'école primaire, elle est allée à l'école secondaire, au collège, puis au lycée. Elle a passé son baccalauréat et elle est entrée à l'université. Maintenant, elle est à l'université, à la fac. Voilà une école maternelle. L'école maternelle, c'est pour les tout-petits. L'école primaire, c'est pour les enfants un peu plus grands, entre 6 et 11 ans à peu près. On apprend à lire, à écrire, à compter. Après l'école primaire, il y a l'école secondaire, le collège et le lycée. Quand Mireille était à l'école primaire, l'institutrice a montré aux enfants des reproductions de Matisse. Mireille a trouvé ça très beau. Ça lui a plu. Elle a beaucoup admiré. Elle a été transportée d'admiration. Ah, qu'il est beau! Ici, Marie-Laure est transportée d'admiration devant son nouveau bateau. Il lui plaît beaucoup. Elle le trouve très beau. Ah, qu'il est beau! Et celui-là, il vous plaît? Et Degas, vous aimez ça? Votre chambre vous plaît? Oh, elle est magnifique. Alors, elle te plaît, cette grande maison? Oui. Observez ceci. J'aime ça. Ça me plaît. Mireille aime ça. Ça plaît à Mireille. Ça lui plaît. Regardez Marie-Laure ici. Est-ce qu'elle aime la mousse au chocolat? Elle la trouve bonne? C'est un délice. Oui, elle aime ça. Ça lui plaît. Maintenant, regardez Marie-Laure. Vous la trouvez jolie? Vous la trouvez mignonne? Elle vous plaît? Moi, oui. Elle me plaît assez. Et Mireille, elle vous plaît? Et Robert, vous le trouvez beau? Il vous plaît? Je vois un type tous les matins. Je crois bien qu'il me plaît. C'est le verbe plaire. Mireille a beaucoup aimé les reproductions de Matisse. Elles lui ont beaucoup plu. Elles lui plaisent, c'est le présent. Elles lui ont plu, c'est le passé composé. Alors, Mireille a commencé à peindre sur les murs et le plafond de sa chambre. Ça, c'est une chambre. C'est la chambre de Marie-Laure. Ça, c'est une chambre aussi. C'est une chambre d'hôtel. Et ça, c'est la chambre des parents de Mireille. En général, dans une pièce, il y a 4 murs et un plafond. Un mur. Et lui, il peint le plafond. Un plafond. Mireille a entrepris de couvrir les murs et le plafond de sa chambre de dessins. Elle a entrepris, elle a commencé. C'est le verbe entreprendre. Elle a entrepris de couvrir les murs de dessins. Voilà des murs couverts de dessins, de graffitis. Un mur couvert d'affiches. Et voilà un tableau couvert de chiffres. C'est le verbe couvrir. Mais les parents de Mireille n'ont pas aimé ses dessins. Ils n'ont pas compris que c'était de l'art. Les parents sont bêtes. Ils ne comprennent pas les enfants. Les enfants sont incompris. Les grands artistes sont toujours incompris. Comprendre, compris, incompris. En France, il y a 2 sortes d'écoles. Des écoles publiques et des écoles privées. En général, religieuses. Mireille est allée dans une école publique, l'école du quartier. Une école comme toutes les autres. En France, toutes les écoles sont à peu près pareilles. Est-ce que vous êtes allé à l'école primaire? Oui. C'était une école publique ou une école privée? C'était une école publique.
le système scolaire est le même dans toute la France. C'est l'État qui finance et qui contrôle l'éducation nationale. Après l'école primaire, Mireille est allée au lycée. Elle a étudié tout un tas de matières. Elle a étudié l'histoire ancienne, l'Égypte, la Grèce, Rome. Elle a étudié l'histoire de France, toutes les époques de l'histoire de France, le Moyen-Âge, les temps modernes, et aussi l'histoire des pays étrangers, la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne. Quand on est français, l'Allemagne, c'est un pays étranger. Quand on est allemand, la France, c'est un pays étranger. Tout le monde fait de l'histoire au lycée. Tu fais de l'histoire ? Oui. C'est bien l'histoire ? J'aime bien. Robert a suivi un cours d'histoire européenne, mais ça ne lui a pas plu. Il n'a pas aimé ça. Il a trouvé qu'il y avait trop de guerres, trop de rois. Mais je n'ai pas tellement aimé ça. Trop de rois, trop de guerres. Bah évidemment, dans l'histoire européenne, il y a beaucoup de rois. Tenez, rien qu'en France, vous avez François Ier, Henri II, Henri III, Charles IX, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. Il y a eu beaucoup de rois et beaucoup de guerres. La guerre des Gaules, la guerre de Cent Ans, les guerres de religion, les guerres napoléoniennes, la guerre de 14-18, la Deuxième Guerre mondiale. Mireille a passé 7 ans à l'école secondaire. Elle est entrée en classe de 6e quand elle avait 11 ans. Puis elle a fait sa 5e, et puis la 4e, la 3e, la 2e, la 1ère et enfin la terminale. La botanique, ça lui a beaucoup plu. Elle a bien aimé. Elle était très forte en botanique. Mais les maths, non. Elle n'a pas aimé ça. Ça ne lui a pas plu. Elle n'était pas forte en maths. En fait, elle était très mauvaise en maths. Elle était nulle. Zéro. Elle avait toujours de mauvaises notes. Des zéros. Alors, elle n'aimait pas ça. Elle avait horreur des maths. Elle n'est pas la seule. J'ai horreur des maths. Et les maths, vous aimez ça ? Nul. Mais c'est pas vrai. Ils sont nuls, nuls, nuls. Mireille était tellement nulle en maths qu'elle a failli rater son bac à cause des maths. Remarquez qu'elle n'a pas raté son bac. Elle n'a pas raté. Non, elle a réussi. Regardez Jean-Claude ici. Oh, très bien, il a réussi. Mais là, raté. Ça, c'est raté. Mais ça, c'est très bien. C'est réussi. Raté. Réussi. Ça, c'est raté. Regardez le monsieur là. Il a raté son train. Il n'a pas eu. Il l'a raté. Lui aussi a raté son train. Et ici, il n'a pas raté. Il l'a eu. Il a eu son train. Mais il a failli le rater. Robert a failli se faire écraser. Il a failli avoir un accident. Lui aussi, il a failli avoir un accident. Et regardez Jean-Claude ici. Il a failli tomber. Mireille a failli rater son bac à cause des maths. Mais elle ne l'a pas raté. Elle l'a eu. Elle a beaucoup travaillé, parce qu'il y a beaucoup de travail au lycée. Il y a trop de choses à apprendre, alors on ne fait rien à fond. On étudie tout superficiellement. Regardez Mireille, elle étudie superficiellement. Tenez, regardez ici, la nageuse est en surface. Ici, elle est au fond. Ici, le mineur travaille en surface. Mais ici, il travaille au fond. Regardez cette femme, elle fait le ménage superficiellement. Ici, elle fait le ménage à fond. Là, le docteur examine le malade superficiellement. Ici, il l'examine à fond. Quand on va à l'école primaire, mais surtout au lycée, il y a beaucoup de travail à faire. On ne se sent pas libre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a toujours des leçons à apprendre ou des devoirs à faire. Tenez, regardez Marie-Laure ici. Est-ce que tu as fait tes devoirs ? Bah non, pas encore. Alors tu vas faire tes devoirs et après on verra. Oh. Vous voyez, elle n'est pas libre. Les prisonniers ne sont pas libres. Les enfants non plus ne sont pas libres. Depuis qu'elle est à la fac, Mireille se sent plus libre. Elle a l'impression d'être plus libre. Regardez-la, elle se sent bien. Ici, non. Elle ne se sent pas bien. Je suis malade. Écoute, arrête, je t'en prie, je me sens pas bien, je suis malade. Vous vous sentez pas bien ? C'est le verbe « se sentir ». Se sentir bien ou pas bien. Maintenant, Mireille se sent bien. Elle se sent plus libre.
Oh, ça oui, vous pouvez le dire. Maintenant, à la fac, je me sens beaucoup plus libre. Tous les cours que je suis me plaisent. Surtout les cours d'art grec. Le prof est un amour. C'est un petit amour. Il est mignon. Il est beau comme un dieu. Comme un dieu grec, je suppose. Pour les Grecs, les dieux, en général, étaient beaux. Le prof de Mireille est beau, enfin. Elle le trouve beau et spirituel. Il a l'esprit très vif. Il est amusant. C'est un régal de l'écouter. C'est très agréable. C'est un régal. C'est un régal. Bon, alors maintenant, c'est vous qui allez parler. Regardez, quelle heure est-il? 5h15 ou 5h15 ou 17h15. Et ici, il est 10h30. Et ça, c'est un grand café ou un petit bistrot? Un petit bistrot. Regardez Jean-Claude ici. Est-ce qu'il est tombé? Non, mais il a failli tomber. Regardez ce monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des mathématiques, de la musique, de la moto? Non, il fait de la peinture. Le cours d'histoire européenne n'a pas beaucoup plu à Robert parce qu'il y avait trop de rois et trop de guerres. On fait de l'histoire, on fait de la géographie, on fait du latin, on fait du grec, on fait du français, on fait des maths, malheureusement, on fait des sciences naturelles, naturellement, on fait de la physique, on fait de la chimie. Pouh, on n'en finit pas. Annenberg Media. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat Général à la Langue Française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. For information about this and other Annenberg Media programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.